Et salut à tous les amis, ici Ryulink sur donc la vidéo du Let's Play épisode 8 de New Super Mario Bros. U Deluxe. Alors, dans cette vidéo, on va continuer la suite de l'épisode 7, donc épisode 8, logique, c'est parti, on se lance ensemble. Donc, on n'avait plus beaucoup d'objets, on est un peu en mode hardcore là, donc on continue là. D'accord. J'allais dire qu'est-ce qui se passe et donc là du coup on se retrouve sur un bateau volant de Bowser. Avec un bras qui se déploie. Paradis Chantilly bateau à l'abordage. C'est parti les gars. Et les meufs. Bon, pour l'instant, il n'y a pas la panique, hein. C'est un niveau plutôt tranquille. Ah, bon. Qu'est-ce qui se passe? Ah, d'accord, ok. Ça part sur un bail d'écrasade. On va rester comme ça, tranquille. Ok. Alors, je pense qu'il faut pas se presser dans ce type de niveau. Ouais, c'est ça. En fait, faut vraiment pas se presser, quoi. Ah, parce qu'en plus, ça détruit, en fait, certaines parties du level, quoi. Oula. Il m'a fait une frayeur. J'ai failli mourir bêtement là, mais bon, je voulais trop cette pièce. Donc là, on arrive sur un checkpoint. Tout se passe bien. Ah, d'accord, ok. Donc il faut incliner la manette pour faire avancer la plateforme. Je vous avoue que je suis pas trop à l'aise de jouer comme ça en fait. Ça me fait un peu bizarre. J'ai failli me faire cramer. Youhou! Hop là! Hop là! Hop là! Il faut que j'arrête de faire le con. Pour l'instant, tout se passe bien. Doucement mais sûrement. Tout va bien, tout va bien. On fait attention. On essaye de jouer safe. On va pas trop vite. Parfait, ça nous permet de gagner une vie supplémentaire. Ah, il y a la pièce juste en haut. Hop là, on a réussi à la choper tranquillement. On n'hésite pas à tuer les mobs qui nous gênent, hein. Faut pas se gêner dessus. Moins il y en aura sur le passage, mieux ça sera. Un deuxième checkpoint. Alors c'est la première fois qu'on a un niveau avec deux checkpoints. Et on arrive sur un mini Bowser des familles. Alors comment il faut le battre? Ok. Ça part sur des bombes. Je
Je pense qu'il faut lui balancer dessus. Ah, non, même pas. Ah, d'accord, ok. Ah, ok, faut le tuer comme ça. Les bombes, c'est juste un divertissement, je pense. Oula, alors là, je prends des risques inutiles. Mais vraiment. Ouh là là. Ouh là. Non, non, non. Yes. Parfait. Bon, on s'est quand même fait toucher deux fois, hein. C'est pas très très bon. Donc on en a fini avec ce mini Bowser. On va continuer la suite. Ah donc son vaisseau est ratatiné. Je pense que là, vu les dégâts qu'il y a, ça devrait passer tranquille. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Ça part sur droite-gauche apparemment. Une petite grimace à la Bowser, comme d'habitude. Enfin, à la mini Bowser. Ça part sur un pont. Et ça part sur un chemin dans le tourbillon, carrément. Enfin, dans la grosse tornade, plutôt. C'est parti, la petite sauvegarde. Allez, on y va. Château de Peach. Allez, c'est parti, on se lance. Château de Peach, ciel de cendre. On se lance tout de suite dans le level. Ça part déjà sur un petit champignon des familles. Petite fleur de glace. Ah, il y a une fleur de glace cachée ici. Je l'ai trouvée par pur hasard, celle-ci. Pour l'instant, tout va bien. J'essaye d'aller un peu vite. Ah. Deuxième pièce. On essaye de faire le plus attention possible. On fait gaffe. Et on prend des risques inutiles, regardez ça. Et hop, on meurt. C'est dommage, on avait bien joué. On n'abandonne pas, on continue. Allez, on se relance. C'est parti, les amis. Donc on est sur un checkpoint. On part sur un petit champi. La petite fleur de glace. Non. On a failli prendre encore un risque très très inutile.
Bon, là, on a complètement été idiots. Et on meurt, comme par hasard. On va éviter encore de mélanger la vitesse et la précipitation. On va essayer d'être rapide tout en jouant safe. C'est parti. Le champignon, hop. Ah, alors j'ai oublié de lâcher la touche bas en fait. Donc du coup je suis mort bêtement dans la lave. Allez, on se relance, c'est pas grave. Alors là, c'est le pompon. Je veux vraiment aller trop vite. Et du coup, je meurs. Quelle catastrophe, quoi, sérieux. Ouais, on se laisse pas perturber. On reste bien concentré. On joue sécurité. Voilà, tout doucement. La petite esquive. La petite fleur de glace. Là, il y a un peu trop de boules de feu. La troisième pièce, honnêtement, je sais pas si je vais la tenter. J'ai pas envie de recrever inutilement. Allez, on continue, on lâche pas. Et on chope le level up. Enfin, le level up, plutôt le 1 up. J'ai tellement l'habitude de dire level up. Du coup, maintenant, on passe sur Château de Peach 2, Océan de Lave. C'est parti. Donc, à quoi ressemble le level? D'accord, ça part sur un espèce de train, si je peux dire train. Et là, je perds stupidement ma fleur. Et là, je repère stupidement le champi. D'accord, en fait il y a des espèces de chiffres sur ce train. Pour l'instant je sais pas trop à quoi ça sert. Stupidement dedans. Super. Bon, pour l'instant, tout se passe bien. Ah, là, c'est risqué ce que je viens de faire, je pense.
qui est bien, c'est qu'avec le Koopa, une fois que tu lui as sauté dessus, ça enlève carrément tous les amis grâce au fait qu'il reste bloqué dans sa carapace. On prend la petite pièce et on monte dans le tuyau. Pour l'instant, tout se passe bien. Et on n'a pas réussi à choper la vie, non. Mais c'est pas grave. On a quand même encore 66 vies. Ça va, pour l'instant on arrive à avancer plutôt bien, on a eu quelques difficultés dans le tout premier niveau, mais rien de très compliqué, c'était juste de la précipitation. Donc là du coup on se lance au prochain niveau, qui est donc le château de Peach 3, valse volcanique. C'est parti. Donc là ça part sur des bails de lave qui montent et qui descendent. Ah, là c'est un peu bête ce que je viens de faire. Bon, tant pis, c'est pas grave, on va passer la pièce. Une vie en plus, ça fait toujours plaisir. Là, comme vous voyez, je mélange pas la vitesse et la précipitation. Ah, alors... Ah, par contre, c'est un peu tendu, là, non? Pour faire tout ça... Ah oui, il me semblait que c'était tendu. J'aurais peut-être dû prendre le checkpoint avant de avant de faire ça. Je pense qu'on va pas tenter les pièces. Désolé pour ceux qui veulent que l'on tente les pièces, mais... On va accélérer un peu tout ça. Ah mais je suis bête, j'ai déjà pris le checkpoint en fait. Allez, le champi qui fait plaisir. Oula. On va se calmer quand même là-dessus. Oula. On va tournoyer. Le fameux tourbilol, pour ceux qui connaissent la référence. Oula, j'ai failli reprendre un risque inutile. On rentre dans le tuyau. Et on chope une vie sous le drapeau. C'est parfait. Stage terminé. Bien joué. Voilà en guise de récompense. Il va nous donner un petit champignon. Ça fait toujours plaisir. Le petit champi qui fait toujours plaisir. Allez, cette fois, je pense qu'on y est. Château de Peach, ascenseur pour... Ah, c'est l'ascenseur en fait, si je comprends bien.
D'accord. Ascenseur pour Bowser. Allez, c'est parti, on se lance. Ah, alors là, il y a la lave qui monte. Mais est-ce qu'elle descend à un moment ou pas du tout? J'en ai pas l'impression. Ça repart sur le même type de niveau. On reste concentré, on connaît pas du tout le niveau. Ok. Donc en fait là du moment où il y a un passager de plus, ça devient plus compliqué. Attends, j'ai failli me tuer tout seul. Je vais pas tenter la pièce. On y va. On a réussi au moins à choper une pièce, c'est déjà ça. Oula. Attention. Avec ces courants électriques, ça peut être dangereux. Non, je vais rater les pièces. Oh, j'en ai raté une seule, quoi, sans déconner. On fait tout doucement. Bon, en fait, j'ai raté que la première pièce. Oula. Ah, j'ai raté mon saut, c'est dommage. Donc ça part sur le sommet du château, si je comprends bien. Sauvegarder. Bon, à mon avis, il doit se passer quelque chose, c'est obligé. S'il te propose une sauvegarde, c'est... Château de Peach. Le combat final. On y est enfin, les amis. Eh ben, c'est parti. Ah oui, d'accord, ok. Ça part sur une histoire de bousculade. Bah du coup, on va prendre le champignon que nous a gentiment offert pour le frérot Toad. Le frérot, le sang. Le sang chaud de la veine. Allez, on se laisse pas déstabiliser. Hop, on prend le petit objet pour nous faire plaisir. Ah, c'est un peu risqué ce que j'ai fait, mais bon, je suis quand même passé. Ah, ça c'est con ce que je fais. Bon, on continue.
Quel couillon. Sans déconner, quoi. Allez, on rentre. On n'a pas le temps, notre esprit est ailleurs. Parfait, parfait. C'est dommage, je pensais que je pouvais lui sauter dessus. Une petite fleur de glace, parfait. Pour l'instant, au niveau de la maîtrise, tout se passe bien. Oula! Je parle un peu vite quand même. Il nous a poussé. On est arrivé. Le checkpoint. Et on part sur une grosse porte du boss de Bowser. Oh, le grand classique des Mario Bros. Avec les boules de feu qui te viennent sur la gueule comme ça. Ça me rappelle la Nintendo NES, quoi. Ah, ok. Bon, très facile, hein. On va pas se mentir. J'espère que ça va pas s'arrêter sur ça quand même, ça me décevrait un petit peu. Je serais vraiment très déçu que ça s'arrête comme ça. Et après ça se pitue juste derrière. Ah! Alors qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a Peach qui est en sanglots là-bas, qui a l'air de pleurer. Comment elle fait pour garder bonne mine dans ce genre de tragédie? Ah, donc là on se retrouve contre Mi Bowser. Ah non, j'ai rien dit. Ok. Donc là on part sur un giga Bowser des familles. Énervé comme Jaja. Mais comment je suis censé le tuer en fait? Ah mince, j'ai oublié de me baisser. Ah ok, d'accord. Ah bon ben je pense savoir comment faire. What? Ah, ça va, d'accord. Il me laisse quand même une chance. Il est sympa, il est gentil. Malgré qu'il soit méchant. Ah, là, ça part sur une pluie de météorites. J'aurais peut-être dû... Parce que, ah là j'ai pas beaucoup de place. Ouais, mais là je vais obligatoirement mourir. Ah non. Ah non. Il me laisse une chance. Il est gentil le Bowser. Il est gentil. En fait il est pas si gentil que ça. Il n'est pas gentil parce qu'il est méchant. Ça, c'est une phrase de psychologie. Allez, tout se passe bien pour l'instant. Oula, qu'est-ce que c'est ?
Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Et c'est parfait, on s'en sort très très bien. On a réussi à vaincre Bowser. Parfait, super. Alors, comment ça se finit tout ça? Là, d'un coup, le château, il est pas très dark. Hein. Il est très très bien. Oh, il y a Carota à droite de l'écran. Je sais pas si vous l'avez vu. Et un petit bisou sur le champignon de Toad. Ça change un peu des bisous à Mario quand même, hein. On va pas se mentir. Bowser qui est quand même gigantesque là, hein. On va pas se mentir. Il fait pratiquement... pas loin, mais on va dire la moitié de la taille du château, quoi. Et comparé à ce bateau, c'est autre chose. Hein. Oh, ils se sont viandés. Ah, très drôle. Bon, ben voilà, ça part sur une petite danse avec les 4 personnages jouables, en sachant qu'il y en a 5. Bon, on va bouger un peu quand même. Hein. Et si on ramassait des pièces, qu'est-ce que vous en dites? Même si ça sert à rien, même. Hein. Je vais essayer de les rapprocher un peu tous. Hop. Avec Mario au milieu, parce que voilà, c'est quand même le personnage principal de la saga, hein, on va pas se mentir. On va rapprocher tout le monde. Voilà, hop, comme ça. Je danse ou je danse pas? Ah, je danse plus. Bon, bah écoutez. Ah bah si, c'est bon, je me suis mis à danser d'un coup. On danse tous ensemble. Écoutez, donc on va s'arrêter là pour cette dernière vidéo du Let's Play de New Super Mario Bros. U Deluxe. Donc merci en tout cas d'avoir regardé tous les Let's Play. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez surtout pas à mettre un commentaire avec un petit pouce bleu, mais très important surtout. N'hésitez surtout pas à vous abonner en activant la cloche afin de recevoir les notifications lorsque je publie une vidéo. C'était donc Ryulink sur... le Let's Play de New Super Mario Bros. U Deluxe, épisode de fin. Allez, see why les gens.